c'est drôle parce qu'il y a des artistes qui ont participé à cet album qui le voient comme mon projet, alors que de mon côté, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plutôt comme une œuvre qui se doit d'exister et dont je suis la personne qui le transporte. Quand l'idée m'est venue, c'était presque quelque chose de religieux et j'ai tout de suite su qu'il fallait le faire. Au départ, le concept de l'album se tournait autour des années 70, mais finalement, je me suis rendu compte que tous ces albums exceptionnels de Nick Drake, Joni Mitchell, Jean-Pierre Ferland sont sortis en 1969. Quelque chose de magique s'est passé à ce moment-là, comme si la musique nous forçait à rendre hommage à cette ère. Je prenais chaque opportunité afin de m'imprégner de cette époque, mais je pense que la meilleure façon de faire de la recherche est juste de communiquer avec les artistes. Et c'est ainsi que ça revient à l'idée que le projet s'appartient à tous, parce que chacun y laisse sa trace, son influence et crée la trame narrative. En général, j'aime que les artistes ne soient pas isolés dans leur création, parce que c'est dans ces moments que quelque chose se passe, quand tu déconnectes un peu de la réalité et entres dans ta tête. La magie émerge quand deux personnes font la même chose en même temps, et quand tu as trois ou quatre personnes dans cet état de symbiose, la magie se multiplie encore plus. Il y a des moments où les artistes embrassent cet état d'esprit. Certains se retrouvaient face à de gros défis, mais en surmontant cette difficulté, on finit par comprendre que, à cette époque-là, c'était fait comme ça. C'était fait en direct, avec un talent brut et des erreurs authentiques qu'on a fini par adorer. S'il y a une trame conductrice à cet album, c'est la recherche de la beauté dans le bonheur et la simplicité, à trouver une légèreté en nous-mêmes, son propre confort en soi. Ce qui est peut-être un sujet surexploité, mais je crois que de le traiter avec beaucoup de profondeur reste quelque chose de très intéressant. Comme les narrateurs de chaque histoire sont si différents, tu sais que tu vas pouvoir pénétrer dans leur univers pour un bref moment et ensuite construire tes propres narratives à travers ça. Je pense que chaque jour et avec chacun des artistes, il y a eu des moments où on s'est regardé et on savait qu'on vivait quelque chose de vraiment spécial. Étrangement, je me sens complètement comblé avant même que la musique soit entendue. Je pense qu'il n'y a rien que je changerais dans le processus de ce projet. Cette expérience a changé mon approche par rapport à la vie. J'accepte maintenant de ralentir et de relaxer. Si j'avais regretté quoi que ce soit, j'aurais échoué dans ce projet. Pour moi, ce fut vraiment une aventure et tout ce qui vient après n'est qu'un énorme bonus. Mon nom est Connor Seidel et j'ai développé l'album 1969.